Salut à tous, donc comme je vous l'avais dit, on se retrouve devant la tour noire et... Voilà, donc là il faut retenir ce nom, la reine Ambie. Donc c'est tout simplement la reine de ce royaume dans le passé. Dans le présent, il n'y a plus de reine. Voilà. Elle est encore en construction, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Donc vous avez compris. Non, on peut rentrer. Vous avez compris en fait, mon héros, c'est-à-dire Véran, elle est dans le passé. Et ils ont remarqué que la reine Ambie a beaucoup changé et qu'elle lui. Elle, comme, il... Ah ouais, il m'éclate, je sais pas pourquoi j'adore les soldats comme ça. Voilà, et là, ils font des travaux forcés, quoi. Donc on va pas parler à tout le monde, hein. Ça sert à rien. Faut parler à celui qui nous donne l'appel. Alors, où est-ce qu'il est déjà? Je crois qu'il est par là. Ouais, c'est lui. Vous voyez, l'ordre des objets n'a rien à voir avec Seasons. On obtient l'appel en premier là. Donc je vous rappelle que la tour est encore en construction. Mais oui, bon, il nous laisse pas passer de toute façon. Mais plus tard on pourra passer, mais il n'y aura pas encore le sommet. De toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure dans la petite cinématique. On peut encore appeler ça hein, comme ça. Donc voilà, là en fait ça servait juste à avoir l'appel. Hein, donc on peut faire demi-tour. Et récupérer ce quart de cœur. Voilà, donc maintenant qu'on a appel, on va aller voir l'arbre Gojo. Ah oui, donc là je vous ai pas dit, en fait on est dans le passé, on est 400 ans dans le passé. 400 ans, hein. Et bon, l'arbre Gojo il est vieux, hein, donc il existe encore, enfin, il existait déjà dans le passé, il y a 400 ans. Donc ça en fait c'est un truc qu'on peut ouvrir que si on a la GBA. Donc Kirlex m'a passé un truc qui permet de considérer la ROM comme une ROM comme si on était sur GBA quoi. Et je l'ai pas pris, je la prendrai juste pour prendre l'anneau. Parce que en fait bizarrement cette ROM tout est hyper éclairé en fait. C'est-à-dire que c'est trop lumineux le. Enfin l'image est trop lumineuse donc du coup. Enfin, je trouve que ça gâche un peu. Donc j'utiliserai pour récupérer les anneaux et je vous montrerai les anneaux. Donc là voilà, hein, c'est le même sentier Gojo que dans le présent. Enfin, sauf qu'il faut faire quelques trucs. Hein. Alors là, franchement, c'est à l'image de la grotte du héros. Enfin, pas la grotte du héros, le donjon dur. Hein. La grotte du héros qu'on a au début de Seasons pour avoir l'épée. Voilà, c'est à peu près aussi difficile. C'est-à-dire très simple. Voilà. La feuille des trois ennemis. Vous voyez, hein, c'est un jeu d'enfant. Merde, je sais plus s'il faut. Non, ouais. D'abord activer un bouton là, je crois. Bon, Edit, je le connais mieux que Season 5 quand même. Bon, c'est le premier que j'ai fait, donc je me rappelle mieux. Parce qu'il m'a plus surpris quoi. D'ailleurs, c'est mon premier Zelda, hein. Je vous le dis. Voilà. Voilà, je vais faire l'exploit de tomber pour raccourcir. Hop. Donc, vous voyez, c'est à peu près ouais, quoi. Même difficulté que pour récupérer l'épée dans le truc. On a une petite énigme sympa. Voilà, alors comme vous voyez, il y a. En fait, il faut récupérer ce. Enfin, appuyer sur le bouton pour voir la porte, mais il y a un petit secret. Enfin, on peut pas appeler ça un secret, mais bon. Comme vous voyez, il y a deux trucs pareils, donc on fait pareil dans l'autre. Et là, oh, magie, ça fait apparaître un petit truc. Donc ça, c'est optionnel. Hein. Et voilà, pour avoir quelques rubis. Donc ça, c'est sympa, j'aime bien. Il y a pas mal de trucs comme ça pour obtenir des rubis.
D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit, mais dans Seasons aussi, enfin dans Seasons et dans Aegis, en creusant, on peut parfois trouver, si je me trompe pas, 500 rubis. 500. C'est des énormes rubis bleus, je sais plus, enfin je crois que c'est qu'ils sont bleus, hein, je me rappelle plus trop. Voilà, donc là c'est rapide, hein, deux cœurs déjà. Et donc on va rejoindre l'arbre Bojo avant qu'il se fasse tuer. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble l'arbre Bojo, hein. C'est encore qu'un bourgeon. Bon, ça fait 400 ans en arrière quand même. Alors, il dégage, il m'attaque même pas. Quand même. Hop. Sans jeu de mots. Voilà. Quel joli nom, ouais, c'est clair. Murphouz, quel joli nom. Voilà, donc là, vous avez compris, c'est la reine Ambika qui contrôle le royaume. Et en fait, bon, Nairu, incarné par Vernon, par Véran, est retourné dans le passé. Et en fait, elle contrôle aussi la reine, si vous voulez. Et lui a ordonné de construire la tour noire et de tuer l'arbre bleu. Voilà. Voilà, je te remercierai quand je serai grande, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, merci, mais je vais pas me marier avec un arbre. Bon. On va faire plein de petits bourgeons. Bon, alors. Là, comme par hasard, un portail apparaît pour aller dans le présent. Voilà, et je vous rappelle qu'elle a dit je t'attendrai, je te remercierai quand je serai grande. Donc on va la voir. C'est énorme la gueule de l'arbre. Nous voilà, 5 secondes plus tard on est là, alors que l'autre ça fait 14 ans qu'elle attend quand même. Hein. J'aime bien aussi l'arbre de. Je sais pas si je préfère celui d'Ailey ou Seasons. J'aime bien celui de Seasons aussi. Quand il dort. Voilà, là on va. Faut pas tomber dans le piège. Donc si vous passez le dialogue très vite, faites gaffe à pas appuyer sur oui, sinon elle répète tout. Voilà, bon. Voilà, je vais vous passer, hein, on a compris. Donc en clair, faut obtenir les 8 et les 8 essences pour battre Véran. Donc c'est-à-dire faire la même chose que dans Seasons. Hein. Voilà, donc première essence au cimetière Yol. Et hop, elle nous donne une poche avec graines braises. Voilà. Et là, pareil que dans Seasons, encore une fois, on a l'arbre, etc. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Enfin, je peux vous montrer. Voilà. Donc, je l'ai dit, il est un petit peu plus beau. L'arbre, il est plus beau que dans. Enfin, ça ressemble plus à un arbre quoi, que dans les juste. Voilà, et plus tard, il grandira. On pourra remonter encore plus. Ça s'ouvrira. Voilà. Ça permettra notamment. Enfin, surtout à ça. Enfin, qu'à ça, d'ailleurs. Ça permettra d'obtenir des graines gâchées. Donc là vous allez voir si on va là, je vous avais dit. Voilà. C'est ces signes là qui sont par terre qui servent à aller dans le passé ou dans le présent. Donc voilà, maintenant qu'on a les graines braises, on va brûler ce petit buisson pour obtenir 30 rubis de plus. Ah merde, j'avais oublié Vasus. Donc là c'est la même chose encore que.
Donc je passe tout parce qu'il dit pile poil la même chose que dans dans Seasons. Donc en clair, il nous donne la boîte à anneaux, il nous passe l'anneau amitié qui prouve qu'on s'est rencontré, voilà. Parce que ce tutoriel, on est obligé de le. On est obligé de le regarder. Voilà. Donc ça c'est fait. On va ensuite passer au magasin. Je sais pas moi, mais l'ambiance, en fait, c'est la raison pour laquelle je préfère Age of Seasons, c'est l'ambiance en fait. C'est plus sombre, c'est plus. Enfin voilà quoi. Ça s'explique pas. Donc il nous avait dit première essence au cimetière Yol, donc c'est ici. Voilà. On rentre dans le cimetière, il fait nuit, hein, c'est génial. Donc là, si on monte. C'est fermé. Et donc il faut la clé. Hein. Là vous voyez un petit fantôme. Ça sera pour plus tard. Ça c'est le début de la quête des échanges d'objets. Putain, je sais pas ce que foutent les parents là. On laisse pas des gamins se jouer dans un cimetière, putain, c'est quoi ça? Donc ça j'ai pas de. J'en ai pas encore. Voilà, encore le quatrième. Ouais, c'est le quatrième quart de cœur celui-là. Non, troisième. Donc ça sera pour plus tard. Là il y a des tombes. Alors si je me souviens bien, on peut pas encore les. Non, on peut pas les pousser du tout. Par contre là il y a un escalier. Qui permet d'avoir la clé du cimetière. Voilà. Donc encore une fois, je vais le répéter, mais sur Game Boy Color, tant qu'on n'a pas allumé un des flambeaux, on voit rien du tout, hein, on voit tout noir. Donc ça, c'est dommage. Hein, quand même. C'est dommage que sur l'émulateur on voit un petit peu plus éclairé quoi. Ah donc on va aller au cimetière. Là bon il y a de l'eau et vous voyez un truc. Donc vous devriez deviner qu'est-ce que c'est à l'intérieur de cet arbre. Bon je vais vous le dire, hein, de toute façon c'est pas du spoil. C'est là où il y a la sorcière. Parce que la sorcière, elle est aussi dans. Elle est aussi dans l'église. Hein. Il y a la sorcière, il y a Maple aussi. C'est là qui ont de voler les objets. Donc voilà. Là, on peut pas encore passer. Et on va débuter ce premier donjon. Donc je sais pas si j'aurai le temps de le faire en entier en si peu de temps. Mais je vais tenter. Donc le premier donjon, où je vous ai dit que Edge était beaucoup plus dur que Seasons. Mais le premier donjon, il est pas dur. Hein. Enfin, le premier donjon, dans Edge et Seasons, c'est aussi facile. Mais dès le deuxième, là, c'est déjà beaucoup plus dur. Quoi. Surtout le boss qui est très chiant dans le deuxième. Donc ça, c'est des énigmes, franchement, que j'adore. Et les énigmes sont plus dures aussi, hein. Dans Seasons. Donc là en fait vous avez compris, il fallait le mettre en bleu. Parce que si on met la face jaune ça marche pas. Non, attendez je raconte des conneries. Non là c'est n'importe laquelle. Mais plus tard faudra mettre une face spécifique en fait. Faudra mettre la face rouge ou jaune ou bleu. Voilà. On a la carte. Donc ça ressemble à... Merde. Ça ressemble à rien. Un coquillage peut-être. Voilà. Oui. Alors là, l'inconvénient, c'est qu'on a oublié de refaire le tour pour remettre le cube. Ben, j'avoue que je m'en rappelle pas tant que ça, en fait. Voilà, on a déjà des fantômes dès le début, là, vous voyez. Ils sont assez
résistant. 4, 5, il aurait fallu frapper 5 fois, hein. Mine de rien. Et pas tourniquet. Ah non. Ouais, enfin, c'est pas mieux. Hein. Voilà. Et là, regardez, petit secret. On peut cramer la racine d'ici pour avoir une clé. Et un anneau. Merde. Voilà. Ok. Vous voyez, je le fais à l'instinct, moi, puisque je connais par cœur. Hein. La première fois que j'ai joué, j'ai pas trouvé ça si facile que ça. Attendez, si je me souviens bien, il y a un autre truc là-bas. Je sais pas auquel il faut aller en premier. Bon, je vais aller là-bas d'abord. Allez, je me rappelle. Voilà. Donc là, il faut actionner un bouton qui fait apparaître une plateforme. Puis un autre bouton. Je tente. Putain, ah, je suis con là, pourquoi j'ai bougé? On s'en fout. Voilà. Donc là, hop. Ouais, je crois que j'aurai pas le temps hein, de finir le donjon avant la fin de la vidéo pour une fois. On va se quitter juste après, je pense. Ou alors je bats le mini-boss qui est dans pas longtemps. Non, je sais même pas si j'aurai le temps de battre le mini-boss. Il me reste à peu près 100 secondes là. Bon, allez, je pense. Il est nul, hein, le mini-boss. Ah, d'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc. Comme un con, j'ai oublié d'acheter le bouclier. Ah non, je l'ai acheté. Non, en fait, c'est assez. Je cherche pas à comprendre. Bon, voilà. Et premier mini-boss. Très classique. Voilà, il suffit de faire ça. Comme ça, on détruit à la fois ses fantômes et lui. Tout con. Franchement, trop simple. Donc voilà, on va se quitter là. On se retrouve pour la suite dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.